Bien. Ousmane Nyeloi, ministre de la Défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui ne recule pas. Un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée, surtout ce qui concerne le chef de l'État, Son Excellence le professeur Alpha Condé. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéennes, mi aru wolangolon hunde wotere. Nder la Guinée do no wodi quartierji innitidi ke kambe sina awonan selludalen an afe irta don no wodi quartierji innudi ke an sa wonana IFDZ an afe irta don lo ratissage a commencé, le compte à rebours a commencé. Maintenant, wona joni ko rudi na ko satti gila jango lendi men jettay wono bantamaso comme quartier ji gono inni que sitay ko RPG wonda anga rewata kamabe. Maintenant, men jettay wono bantama bayo ninni wono bantama on hidama mayna yo sepp kanko tun o yawano bambe to mo fejjude ni so ari fejjugol go men jetta on men jetta heddi men fop men wara be civil men arma be ala dernière énergie o fejja kanko tun ara mo seppude a ferato mo hayre tun men natta kural e ka hore ma direct. C'est comme ça le ratissage va commencer. Si on fait i bentigi araye ben inna kanyu no menen men fala no nun wadde dun do ko me wadali men yana on jamma kati kamon holla be men ben non kati kamon ben ko no wundi mabbe bimbi nyaloma e kikide. On andata non kadi kombo on andata kadi jeune be fala be buttu ben ka quartier ji mom ono sunna e pine ben hara da weldi e oti ji nyalorma on ono yaydata hay nyamu gol restaurant on hollay men kamon an wu yettu wodu yettu de hayre feronde on arata holla men kadi kama men seke proprement sa sekama façon gono ton wallahi hay hayre affaire tak. Chers compatriotes guinéens et guinéens, je vous ai dit que le gouvernement de 2020 à 2026 serait pas un gouvernement comme les autres. C'est la rigueur. La rigueur, la rigueur. Ceux qui ont dit qu'il y a des zones où quelqu'un ne peut pas accéder, si toi tu es de RPG, toi tu n'as pas droit à marcher, nous allons chercher des jeunes ou des gens qui vont porter des t-shirts de RPG, ils vont marcher aux endroits où il y a eu des gens qui ont dit que là-bas c'est des zones qui ne sont pas accessibles, on va les mettre sur là-bas. Ils vont marcher seuls. Nous allons mettre des agents armés à la dernière énergie à distance. Quand quelqu'un tentera de s'attaquer à la personne, la suite, vous allez voir là-bas. Après, on continue. Le lendemain encore, on commence. Ça serait comme ça le ratissage des bandits. Et en plus,
Nous allons essayer de chercher. Moi, je vous ai dit, tout ce que je vous dis ici, c'est là. C'est exactement comme ça qu'on va travailler. Ce n'est pas un cachet. On ne va pas le cacher à quelqu'un. On veut faire le ratissage des bandits. Ça, c'était un. Deuxièmement, je vous préviens, au niveau de Bambeto, là où il y a ce gare-voiture, on va enlever ce gare-voiture là-bas. On va le transférer vers Kola. Ceux qui veulent s'embarquer, ils vont partir s'embarquer vers là-bas. Là-bas, nous allons mettre un camp militaire au niveau de ce gare-voiture. Désormais, nous allons mettre 4 escadrons dedans et 3 CMIS dedans. Et 4 escadrons les plus chauds, parce que nous allons transférer l'escadron gendarmerie mobile numéro 2 de Hamdallah. On va le transférer vers Bambeto, au rond-point là-bas. Nous allons commencer dans 7 semaines, nous allons commencer la construction et nous allons dégager le parc qui est là-bas. De gré ou de force, là-bas sera mais désormais une zone sécurisée où chaque citoyen désormais va marcher tranquillement là où il veut. Et si quelqu'un, et nous allons mettre un numéro vert, quel que soit le quartier que tu seras, quand tu seras attaqué par les bandits, parce que nous ne sommes plus dans l'affaire de parti politique maintenant. Nous sommes dans l'affaire d'administration et de rigueur. Ça, vous allez voir ça encore dans cette semaine encore. Vous allez dire, Nielo avait dit ça, mais on pensait que c'était la Mamaya. Donc, ça va commencer. Donc, le propriétaire du parc de Bambeto, ce gare-voiture, si peut-être il m'entend ici, l'État viendra te voir pour te dire, nous voulons ce gare-voiture. Un, on va l'acheter. Si tu n'acceptes pas, on va le confisquer. Parce que c'est l'État. Parce que s'il s'agit de la sécurité de l'État, s'il s'agit de la sécurité du pays, l'État a le droit d'agir. Voilà. Donc, que les bandits se préparent. Et nous n'allons pas partir chez les bandits là avec des gaz lacrymogènes. Nous partirons prêts là-bas. On va partir prêts et fin prêts. Quand tu offenses, tu vas retourner à l'au-delà. Ça, ce n'est pas midi à 14h. Au niveau de Koza, comme il y a l'escadron Eco 18 qui est là-bas, nous allons renforcer la gendarmerie. Nous allons renforcer les gendarmes. Nous allons les équiper de toutes les manières qu'il faut pour ratisser les bandits. J'ai appris aussi que à Bambeto, là où on dit, comment même les jeunes d'hier m'expliquaient ça, parce que hier j'ai rencontré des jeunes de Bambeto, minimum 400 jeunes, on a parlé, on s'est expliqué, ils nous ont donné toutes les informations qu'il faut de Bambeto, comment prendre. Bon, c'est pas à eux de nous donner, mais s'ils nous informent aussi de ceux qui brûlent les pneus, on va les capter, on va aller les capter là où ils sont, nous donner leur itinéraire, nous donner leur information complète. Là où ils mangent, là où ils passent la journée, là où ils s'assoient. En fait, nous donner des vraies informations et nous allons les traquer. Nous allons les envoyer pour les juger et pour les condamner. Tolérance zéro. Je vous avais dit que nous serons réélus. Vous avez pensé que c'était la Mamaya. Je vous avais dit qu'il y aura une nouvelle constitution. Vous avez pensé que c'était la Mamaya. Je vous ai dit qu'il y aura référendum. Vous avez pensé que c'était la Mamaya. Je vous ai dit qu'il y aura
Élection législative, vous avez pensé que c'était la mama. Je vous ai dit, il y aura élection présidentielle. Vous avez pensé que c'était la mama. Je vous ai dit, on va gagner. Vous avez pensé que c'était la mama. Maintenant, c'est le ratissage des bandits. Le ratissage complet des bandits. Des bandits. Avant 2021, il n'y aura plus de bandits à Conakry. Même quand quelqu'un te dit bandit, tu vas le gifler d'abord. Parce qu'il y aurait tellement que tu n'as pas envie que même quelqu'un dit, même en pagaille, que toi tu es bandit. Nous allons les ratisser. Le propriétaire du parc, le gare-voiture de Pambeto, se prépare. Parce que nous avons appris que les clochards qui partent brûler des pneus dorment dans ce gare-voiture de Bambeto là-bas, qui là-bas ils dorment. C'est là-bas ils font du n'importe quoi. C'est là-bas ils se lavent. C'est là-bas ils font tout. On a compris que même pour aller dans les douches pour faire caca, c'est dans ce gare-voiture dedans, ils le font. Les boutiques qui sont dedans, si vous avez quelque part là où aller chercher les boutiques pour aller vendre, vous allez être délogé là-bas. Vous allez tous quitter dans ce gare-voiture. Tous les vendeurs qui sont dedans, tous les boutiquiers qui sont dedans, commencez à chercher des boutiques ailleurs parce que l'État va prendre ce gare-voiture. Nous allons appeler le propriétaire. Nous allons lui demander de nous revendre là-bas. Et s'il dit niet qu'il ne revend pas, nous allons saisir là-bas par force. Voilà, ça, il faut encore bien retenir ce que je vous ai dit aujourd'hui. La réunion a commencé. Nous allons commencer à recruter à Nyariwada. Nous allons commencer à recruter 300 jeunes. À Pambeto, nous allons recruter 400 jeunes. Et au niveau de Wanindara, nous allons essayer de recruter au moins 300 ou 350 jeunes pour nous aider à traquer tous les bandits. Les gens qui pensent que vous avez des amis parmi vous, c'est fini, hein? Nous allons vous traquer un à un. Nous allons vous traquer un à un. Un à un. Un à un, on va vous traquer. Aucun bandit ne sera toléré désormais. Et puis, je vous ai dit, désormais, là-bas, en montant, on ne va pas monter avec des gaz lacrymogènes là-bas. On ne va plus monter là-bas avec des gaz lacrymogènes. Nous allons monter là-bas avec ce que vous connaissez. Ce que vous avez peur là. C'est avec ça. Maintenant, on va aller monter là-bas.